La présence du Seigneur est ici. La présence du Seigneur est ici. Je le sens dans l'atmosphère. La présence du Seigneur est ici. La présence du Seigneur est ici. L'Esprit du Seigneur est ici. L'Esprit du Seigneur est ici. Je le sens dans l'atmosphère. L'Esprit du Seigneur est ici. L'Esprit du Seigneur est ici. La puissance du Seigneur est ici. La puissance du Seigneur est ici. J'ai le son dans l'atmosphère. La puissance du Seigneur est ici. La puissance du Seigneur est ici. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Go. Alléluia. Où sont les cris de joie? Come on. La présence du Seigneur est ici. Il est ici. La présence du Seigneur est ici. Je la sens. Je la sens dans l'atmosphère. Oh, oh, oh. La présence du Seigneur est ici. Alléluia. Alléluia. Où sont les cris de joie? L'Esprit. L'Esprit du Seigneur est ici. Il est ici avec nous. L'Esprit du Seigneur est ici. Je le sens. Je le sens dans l'atmosphère. L'Esprit. L'Esprit du Seigneur est ici. Il est ici. L'Esprit du Seigneur. Alléluia, son esprit est ici avec nous. Il est ici présent au milieu de nous. Alléluia. Oh yeah. La puissance. La puissance du Seigneur est ici. La puissance. La puissance du Seigneur est ici. Je la sens. Je la sens dans l'atmosphère. La puissance. La puissance du Seigneur est ici. Oh oh. Le peuple, où le Seigneur il est. Il est.
acclamer le Seigneur. Je peux ressentir la présence du Seigneur et je suis prêt à recevoir. Je peux ressentir la présence du Seigneur et je suis prêt à recevoir. Je peux ressentir. Je peux ressentir ce matin la présence du Seigneur. Je suis prêt à recevoir. Je peux ressentir la présence du Seigneur. Et je suis prêt à recevoir. Je peux ressentir la présence du Seigneur. Et je suis prêt à recevoir. Alléluia, poussons les cris de joie. Alléluia. Sur toute la terre, chantons, chantons pour l'ancien.
chantons. Chantons. Est-ce qu'on peut l'acclamer en même temps? Des jours. Alléluia. Car nul ne peut se comparer à toi. Chantons. Chantons pour l'ancien. Oui, ton royaume, ton royaume. Ton royaume régnera sur toute la terre. Chantons pour l'ancien des jours. Alléluia. Nul ne peut se comparer à toi. Chantons pour l'ancien. Oui, des tout est long, tout est long, tout est long dans les cieux sur terre. Vénérera ta peur, tout genou devant son saint trône. Fléchis, fléchis, te sera exalté, mon Dieu. Et ton royaume, et ton royaume n'aura pas de fin. Oui, tout est long, tout est long, tout est long dans les cieux sur terre. Vénérera ta peur, tout genou devant son saint trône. Fléchis, fléchis, tu seras exalté, mon Dieu. Je t'aimerai sans cesse.
Aujourd'hui, je dis comme David, je ne manquerai de rien. Tu es mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Recevons ta bénédiction. Mon pourvoyeur, celui qui me bénit, qui me rassure. Merci pour tes bienfaits. Celui qui me bénit, qui me sourire, notre Dieu de gloire. Ah, tu me conduis dans les verbes. Tu as tous ces noms, nous avons besoin. Tu me diriges vers les eaux paisibles. En soi, nous dirigeons vers les eaux paisibles. Nous avons besoin, Seigneur. Ah, tu me diriges, éternel, mon Dieu, mon roi, dans tes voies. Et même lorsque je marche, éternel, mon Dieu, mon roi, dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ah, éternel, tu es mon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu détiens tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin. Tu as tous ces dons, nous avons besoin. Tu me bénis de toutes sortes de bénédictions. Merci parce que tu rayonnes sur nous, Père éternel. Oh, tu me bénis à chaque instant. Merci parce que ce matin tu nous accordes ta grâce, oh Jésus. Je sais que je ne manquerai pas d'être béni. Oh,
matin, tu te merci, tournes mon vers Dieu. Nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, car ce matin, je me rends compte que je t'ai, toi. Toi, ma richesse, merci, Seigneur. Toi, ma richesse. Toi, ma richesse, merci, Seigneur. Toi, ma richesse. Tu détiens tout ce que je veux. Tu te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu sait tout. Vers toi, te donne la paix. Tu te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce.
t'appellera. Emmène-nous plus loin, au-delà où nos pieds ne peuvent errer, où notre foi sera rendue plus forte en ta présence, mon sauveur. Oh Dieu, conduis-nous où notre confiance est sans frontières. Fais-nous marcher sur les eaux, partout où tu nous appelleras. Emmène-nous plus loin, au-delà où nos pieds ne peuvent errer, où notre foi sera rendue plus forte en ta présence, notre sauveur. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. À chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes,
de sa faveur. Alléluia. Je déclare ce matin que sa faveur reste sur toi. Je déclare ce matin que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations. Que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations. Sous ta famille et tes enfants. Et les enfants de leurs enfants. Est-ce que tu peux le déclarer autrement? Que sa faveur reste sur moi. Pour plus de 1000 générations. Sur ma famille, sur mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi. Que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et mes enfants. Et les enfants. Que sa présence t'environne. Que sa présence t'environne. Là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Dès le matin, dès le matin. Dès le matin, jusqu'au coucher. À chaque pas, ayant sur toi. Dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi. Dès le matin, dès le matin. Jusqu'au coucher. À chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans les larmes oh. Et dans la joie, il est pour toi. Que sa faveur, dès le matin, jusqu'au coucher. Sur toi, pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants. Et les enfants. Que sa présence. Que sa présence t'environne. Là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Dès le matin. Dès le matin. Jusqu'au cou. Il est pour toi. 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 Il est pour toi.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Some
les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, magnifique, le roi des rois, le lion de la le tribu, le lion de la tribu, le Judas, le Judas. Acclamons Jésus. Seigneur, les mots nous manquent. Les mots me manquent. Seigneur, les mots nous manquent. Pour te louer. Au fond de mon cœur, les mots me manquent. Pour t'adorer. Merci. Oh Jésus. Merci Seigneur, acclamons Jésus. Merci Seigneur, les mots nous manquent pour t'adorer. Pour te louer, pour t'exalter, pour te célébrer, pour te magnifier. Jésus, 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 l'admirable conseiller. Jésus, notre avocat. Jésus, notre forteresse, notre bouclier, notre Dieu, notre roi. Amen. Bonjour bien-aimés, est-ce que vous pouvez juste acclamer le Seigneur? Nous le célébrons ce matin et nous bénissons son nom. Merci pour ce moment magnifique dans sa présence. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles alors que nous sommes debout? Nous allons lire un passage. J'aimerais dire merci au pasteur Noéla qui m'accorde ce matin l'opportunité d'apporter la parole. Merci chérie, que Dieu te bénisse, merci. Et je dis merci à tout le corps pastoral et toute l'église, parole du salut, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Merci d'accorder ce temps à ce culte et merci à tous les bien-aimés. J'aimerais dire merci aussi à mes enfants qui sont une bénédiction pour moi. Alors que je me préparais pour apporter cette parole, je me suis fait inspirer par un chant que Gad avait composé, ex-prisonnier du monde. Et j'aimerais que nous puissions lire ce passage ce matin. Cela m'a vraiment inspiré et m'a aidé à porter la parole. Et j'ai dit merci au Seigneur pour chacun d'eux. Est-ce que vous pouvez juste acclamer le Seigneur pour Gad qui m'a inspiré ce matin? Alléluia. Jean 8, évangile de Jean chapitre 8, et nous lirons le premier jusqu'au 11e verset. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers dès le matin. Il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.
Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Seigneur, merci pour ta parole dans nos cœurs. Merci pour cette vérité. Nous te rendons toute la gloire. Laisse que ta parole nous fasse du bien. Va et ne pêche plus. Nous pouvons reprendre nos places.
Alléluia, gloire à Jésus. Ceci était pour illustrer comment nous sommes prisonniers, et nous sommes souvent prisonniers de beaucoup de choses dans la vie. Alors que nous avons lu ce passage de Jean 8 à 11, la Bible nous parle d'une femme qui était prisonnière. Et dans sa prison, cette femme, merci, était sous une condamnation. Alors que nous avons lu l'histoire, la Bible dit que cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Et les gens sont venus pour l'accuser. On l'a attrapée. Elle a mal agi. Elle a mal fait. Souvent, nous nous retrouvons dans des prisons comme ça. Et ces formes de prison que nous voulons connaître, chacun de nous se retrouve quelque part dans sa prison. Alors que je vous disais tout à l'heure, j'ai été inspirée, ce message d'ex-prisonnier que Gad avait écrit la chanson. Tout le monde se demande c'est qui Gad, c'est celui-là le photographe, on va acclamer le Seigneur. Il a fait sous forme de rap et vous l'entendrez un jour bientôt. Il n'est pas seulement basketteur, il écrit beaucoup. Et il disait, ex-prisonnier du monde, je me suis évadé. Et je lui ai demandé, Gad, comment tu t'es évadé? Et il m'expliquait un tout petit peu comment est-ce que nous sommes tous des ex-prisonniers. Nous sommes sortis de la prison de la drogue, de l'alcool. Nous sommes sortis de plusieurs prisons. Est-ce que quelqu'un peut juste acclamer le Seigneur de la prison où tu as été libéré? Deux fois, nous ne nous rendons pas compte des prisons où nous étions libérés. Chaque fois que je donnais les témoignages de ma vie, de ma conversion, comment j'étais prisonnière de beaucoup de choses dans la vie et comment le Seigneur m'a libérée. Et je glorifiais le Seigneur. Un jour, j'étais en train de réfléchir dans mon couple. Je disais, non, moi je suis déjà chrétienne, je ne suis plus prisonnière. Mais je m'étais rendu compte que j'étais prisonnière du non-pardon. Et que chaque fois que j'étais avec mon mari, je devais rappeler les mauvaises choses qu'il m'a faites. Et je restais moi-même psychiquement, j'étais en prison de tout ce que j'ai connu, de tout ce qu'il a fait ou de tout ce que les gens m'ont fait. Je pouvais en un instant rentrer dans ma prison. Et c'est cette prison émotionnelle dont j'aimerais vraiment nous parler. Souvent on se dit on est chrétien et qu'on est libre. On se retrouve peut-être plus dans la prison de la drogue ou de l'alcool, mais on peut se retrouver psychiquement dans d'autres prisons de non-pardon ou de culpabilité. La femme, la Bible nous dit que c'était une femme qui a été condamnée. Les accusateurs sont venus et ils ont vu cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. La Bible dit qu'on a emmené cette femme jusque vers Jésus. Alors que les accusateurs venaient, ils montraient ce qu'elle a fait. Quelle honte de perdre cette identité alors qu'on te connaissait, madame telle. Du coup, tout le monde, tout le quartier était au courant qu'elle avait commis l'adultère. On se retrouve bien-aimés, ceux qui me suivent et ceux qui sont dans la salle, dans plusieurs sortes de prisons. Et les seigneurs voudraient que ce matin, que nous sortons en disant « ex-prisonniers ». Nous sommes souvent devant les accusateurs et j'ai nommé 3 accusateurs ce matin. Il y a les hommes qui nous accusent. Les hommes venaient pour dire, regarde Jésus, cette femme a été surprise. Il y a beaucoup de gens qui t'accusent, ta femme peut t'accuser, ton mari peut t'accuser, tes enfants peuvent t'accuser, les amis peuvent t'accuser, tes collègues de service, ton patron peut t'accuser. Tu as mal fait. Et les pharisiens sont venus pour qu'on puisse lapider cette femme. Et je vois aussi au début dans la Bible nous parle de Adam. Qui, après que Dieu les place dans les jardins d'Éden, la Bible dit que Adam, lorsque Ève a péché et lorsque Ève lui a donné la pomme, la Bible dit que Adam a dit à Dieu, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam accuse Ève pour ce qu'elle a fait. Les hommes nous accusent. Deuxième accusateur, je parle du diable.
Le diable est vraiment l'accusateur dans notre conscience et dans notre vie. Le diable vient, lui-même, il nous propose d'aimer, comme on a vu tout à l'heure. Il te propose le téléphone, après tu deviens lié, tu vis que par ça. Il te propose l'alcool, tu prends l'alcool, tu commences aujourd'hui un verre, deux verres, trois verres, après tu es vraiment lié. L'accusateur, il vient, il dit à Dieu, tu penses vraiment que Job te suit d'une manière désintéressée. Le diable se présente devant Dieu même pour accuser, pour dire, regarde Job, je pense pas que... Tu penses que cette sœur, ce frère te sert d'une manière désintéressée. L'accusateur, le diable, il parle de nos péchés alors que c'est lui-même le tentateur qui nous emmène là. Et troisième accusateur, je parle de notre conscience. Notre conscience vient nous accuser. Alors que je suis en train de parler, ta conscience t'accuse de quelque chose. Ta conscience t'accuse pour t'emmener dans une culpabilité où tu entres en prison. La culpabilité, c'est un véritable ennemi de ta prospérité, de ton épanouissement, de ta croissance spirituelle. Aujourd'hui, plusieurs frères, je disais une fois, alors qu'on servait la Sainte-Seine, je disais, il y a des frères et des sœurs qui ne prennent pas la Sainte-Seine du 1er janvier au 31 décembre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont accusés par leur conscience. Chaque fois que la Sainte-Seine passe, le frère et la sœur disent « Non, moi je ne peux pas prendre avec ce que j'ai fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu ne prends toujours pas la Sainte-Seine, accusé par sa conscience. » L'accusateur plus dur, parce que la conscience est à l'intérieur, personne ne voit. Maquillé, bien habillé, en cravate, veste, personne ne voit ce que tu fais dans ta chambre, toi-même. Dans ta maison, dans ton appartement, qui vient vivre avec toi? Qui voit ce que tu fais? Qui voit ce que tu fais au bureau? Qui voit ce que tu fais à l'école? Qui voit ce que tu fais avec tes amis? Qui voit ce que tu fais? Qui a vu ce que tu as fait hier soir? L'accusateur, c'est la conscience. Il t'emmène à la culpabilité au point que nous, on peut se poumonner ici pour que tu adores. Tu n'arrives pas à adorer. Tu n'arrives pas à lever les mains. Tu n'arrives pas à dire, Seigneur, je t'aime. Parce que ta conscience t'emmène dans cette culpabilité. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. Et le diable revient dans nos pensées pour nous emmener à cette culpabilité. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre dans quelle captivité nous nous retrouvons. Captif, captif de beaucoup de choses. Nous sommes libérés, oui, j'ai le salut, je suis libre, je suis un homme libre. Jésus m'a libéré, mais je suis esclave de la pornographie. Je suis esclave de l'impudicité. Je suis libéré, je chante, je joue, je joue aux instruments, je filme, je fais ceci, je fais la navette, je fais le service pour Dieu, mais je suis encore esclave de Heineken, des bières qui sont dans ma maison, de whisky et de beaucoup de choses. Je suis encore esclave, je regarde la nudité des femmes. Je suis encore esclave, je vis comme ça, personne ne sait. Lié, enchaîné, dans l'alcool, dans les excès, dans la cigarette et dans beaucoup de choses. Lié, esclave, condamné. Tu es captif, mon frère, tu es captif, ma sœur, de ta propre conscience qui revient jour et nuit. Alors que j'étais en train de préparer ce message, j'ai dit la captivité, tu ne sais pas te libérer de cette captivité. Beaucoup de formes de captivité, captivité spirituelle. Tu es lié par des chaînes. La captivité qui descend de la 4e génération. Vous vous retrouvez dans la famille où vous ne vous mariez pas. Depuis des années et des années, les filles ne se marient pas. Les filles n'ont pas d'enfants. Vous vous retrouvez, j'ai fini des diplômes, je suis en bac 8, bac 7, bac 6. Mais je ne retrouve jamais un travail stable. Captivité spirituelle, traditionnelle, captivité psychologique, psychologiquement. Je veux faire ça, mais je ne peux pas. Tu es captif de cela. J'aimerais dire à quelqu'un, cette captivité te pousse à devenir esclave, à rester esclave. Captivité physique, captivité relationnelle, captivité. Tu es captif, tu veux être libre mais tu peux pas, les chaînes te lient. Alors que nous on te voit un homme, tu passes, on te dit « Oh c'est une femme bien maquillée, bien coiffée » mais tu es encore dans la captivité, tu es encore dans la captivité de beaucoup de choses. Nous on dit « Oh mon frère, oh ma sœur, mais en réalité tu as des chaînes alors que tu es avec nous en ce lieu ou alors que tu es en train de me suivre. Tu es encore lié dans plusieurs captivités, captivité émotionnelle depuis que cet homme est parti. Tu restes toujours enchaîné. Depuis que cette femme est partie, tu es toujours lié, toujours captif. Tu as envie de vivre
vivre ta vie chrétienne, mais tu n'arrives pas à vivre ta vie chrétienne parce que tu es enchaîné. Alors que je suis en train de parler, alors qu'on est en train d'illustrer, j'aimerais que chacun de nous puisse voir dans quelle captivité je me retrouve, dans quelle prison je suis, dans quelle chaîne je suis. Qu'est-ce qui te lie alors que le Seigneur te veut libre? Qu'est-ce qui te garde encore captif comme ça? Tu as envie de vivre ta vie, mais tu as en même temps envie de te suicider. J'avais une sœur qui m'a écrit, qui me dit, Mamina, c'est fini, je veux mettre fin à ma vie. Je lui ai dit, pourquoi? La vie, elle est précieuse. Il faut aller à l'hôpital pour voir combien de gens sont en train de chercher à vivre. Mais elle veut mettre fin à sa vie. Il y a beaucoup qui pensent rester avec ces pensées suicidaires qui peut devenir tout un lien où le diable est en train de te motiver à te suicider. Tu as envie de vivre ta vie de jeune fille, d'être libre, de faire ta vie. Non, moi je fais ma vie. Tu passes tout ton temps à regarder ton téléphone, à vivre avec ton téléphone. Tu te réveilles ton téléphone, tu dis même pas Seigneur, alléluia, merci Jésus. Tu commences par regarder les réseaux sociaux. Captif. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de cette captivité-là. Tu passes tout ton temps, 1er janvier au 31 décembre, à regarder tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tu vis les réseaux sociaux, mais tu ne connais même pas les livres de la Bible. On te dit Josué, tu te demandes c'est où? Captif. Je disais à un jeune, est-ce que tu peux rester un mois sans regarder ton téléphone? Il m'a dit, Mamina, c'est impossible. Captivité. J'étais dans une captivité où je devais toujours prendre une boisson, le coca. Le pasteur me disait, mais attends, c'est quand même faux. Chaque jour, je devais boire le coca. Je ne peux pas rester sans boire. Mais je ne regardais pas ça comme une captivité. Pour moi, c'était, j'aime bien quand je finis de manger, je prends mon verre. Mais ce n'était pas l'alcool. Mais j'étais devenue tellement accro à cela que je ne peux pas manquer ma canette. Le pasteur a dit, ok, tu vas manquer ta canette. J'ai dit, ok chérie, je peux même mettre zéro. Coca zéro. Il m'a dit, non, prends le jus. Bien-aimé, au moment où j'ai vu que je ne pouvais pas m'en passer, c'était devenu un lien. Alors que ça détruisait beaucoup de sucre dans mon corps. Les excès de table, bien-aimé, la Bible dit que c'est un péché, mais nous ne nous rendons pas compte des gourmandises. Tu ne sais plus jeûner. Chaque fois qu'on dit jeûner, prière, moi j'ai mal à l'estomac. Ah frère, lié. Des formes de captivité où nous-mêmes nous ne nous rendons pas compte. J'entre dans une relation intime, j'aime ce garçon, j'aime ce garçon. Ce garçon te fait souffrir mais tu veux rester là. Tu laisses même Jésus à cause de ce garçon. Captivité. Nous voulons sortir de ces formes de captivité, dites amen avec moi. Captivité spirituelle où des choses et des choses, les années passent, l'âge passe, tu ne peux rien faire dans la vie. Tu es captif spirituellement. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de cette captivité. Dis amen avec moi. Captivité émotionnelle, tu peux vivre sans cet homme, tu peux vivre sans cette femme, dis amen avec moi. Captivité psychique, les choses que tu as fait déjà des années, c'est beaucoup d'années, le Seigneur t'a déjà pardonné, pourquoi chaque fois tu reviens sur ça? Même Dieu a oublié que tu étais voleur, que tu étais menteur, que tu étais adultère, que tu étais impudique, Dieu a oublié. Mais toi, à chaque fois, tu revois cela, oh Seigneur, c'est la sainte scène. Mamina, tu peux passer. Et en ce moment-là, le frère et la sœur, ils ont toujours la tête en bas. Tu vas être libéré. La prochaine sainte scène mange avec nous. Nous voulons sortir de ces formes de captivité. Bien-aimés, nous voulons sortir de ces formes de prison. C'est ma sœur, peut-être que je peux la voir aujourd'hui. J'ai dit coucou Juliana, mais dans mon cœur, je ne sais pas comment elle vit sa vie chrétienne. Elle a envie de se suicider. Il y a beaucoup de frères et sœurs ici qui ont dit, c'est fini, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Je vais mettre fin à ma vie. Tu vas sortir de cette captivité. Il y a beaucoup de liens que les jeunes se retrouvent. Oh non, il m'a dit, il va m'épouser. Il va t'épouser, pourquoi il n'attend pas? Pourquoi il veut ton corps maintenant? Tu deviens captif de l'impudicité jour et nuit, tu n'es pas marié. Quand tu viens ici pour adorer, tu n'arrives pas à adorer. Nous allons tous sortir de ces captivités.
Nous voulons tous sortir de ces prisons. Nous ne nous rendons pas compte. Le salut, bien-aimé, c'est vrai, on a donné notre vie au Seigneur. Mais lorsque tu ne vis pas ta vie chrétienne, petit à petit, tu restes lié. Le diable te tient et tu es dans les chaînes. Je prie que lorsque nous sortirons de ce lieu, que les chaînes tombent. Je ne suis plus accro à aucune boisson. Je peux prendre le jus d'orange, le jus de pomme, le jus de goyave, le jus acclamé pour moi, dit. Je ne reste plus dans cet esprit de non-pardon qui me gardait dans la prison. Moindre geste de mon mari, je regarde, je réalise. Oh, il est méchant, pourquoi il me fait ça? Mais je réalisais que depuis que j'ai accordé le pardon, j'ai un bon mari. Chaque fois qu'il fait quelque chose, je dis « Waouh, chérie, t'es beau, chérie, bravo, chérie, je t'acclame, chérie, je t'aime. » Mais lorsque j'étais dans cette prison, il pouvait être beau, passer avec sa veste. Moi, je regarde ce qu'il m'a fait en 2000. Quel 2000 ? Bien-aimé, tu vis avec ton mari, ta femme, tu n'arrives pas à l'admirer juste parce qu'une fois, elle m'a menti, elle a pris ma carte bancaire, elle est partie avec, elle a fait les courses, elle a fini. Mamina, tu imagines une femme comme ça ? Frère, c'était en quelle année ? 2010. L'esprit de non-pardon peut nous garder esclaves du mal que l'autre nous a fait. Mon père m'a fait ça. Mon père a fait ça à ma mère. Comment mon père pouvait faire ça? Bon, il est enchaîné. Entrons dans l'esprit de pardon. C'est que j'aime avec la Bible. C'est que Dieu veut nous montrer comment nous devons être libres de cela. Et lorsque c'est plus fort que nous et les accusateurs viennent, oh, toi vraiment, j'étais libre. Tu étais mon épouse, tu ne peux pas partir, tu es enchaîné. Comment tu vas sortir de ce téléphone? Comment tu vas laisser cette vie? Qu'elle continue à parler, Mamina, tu ne peux pas sortir de toi-même. C'est impossible que tu sois libéré. Cet esprit de suicide, tu vas te suicider. Tu es de toute façon captif. Bien-aimé, alors que je suis en train de parler, j'aimerais que tu réalises que dans ce passage, heureusement, Jésus était là. Ouh! Cette femme était en flagrant délit d'adultère. Aujourd'hui, quand on parle d'adultère, tout le monde... Vous qualifiez l'adultère comme un grand péché alors que toi tu as volé les bonbons hier dans le shop. Je suis en même temps que toi, l'adultère et celui qui a volé les bonbons. Nous tous nous avons péché. On arrive là avec nos pierres. On va lapider cette femme. On va lapider. On va lapider. On va lapider. Elle est en flagrant délit d'adultère. Ouh, j'aime Jésus. Heureusement, on a amené Jésus. On a emmené cette femme devant Jésus. Les accusateurs viennent avec des pierres pour te tuer, pour te parler dans ta conscience que tu es une femme pécheresse, que tu es un homme de péché. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses voir avec moi. On l'a emmené devant Jésus. Dis avec moi, heureusement. Heureusement, on m'emmène devant Jésus. Le thème de mon message aujourd'hui, écrivez avec moi, Jésus, mon avocat. Nous allons lire Jean 8, le verset. Nous allons lire... Alléluia. Nous allons lire 1 Jean, excusez-moi. 1 Jean 2, le verset 1. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Dites Amen. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, wow! Lisez avec moi, nous avons... un avocat auprès du Père Jésus-Christ des justes. Dis avec moi, nous avons un avocat. Jésus, mon avocat, nous avons un avocat auprès du Père. Quelqu'un peut juste acclamer Jésus, l'avocat. C'est lui qui défend ma cause. C'est lui qui ouvre les choses. C'est lui qui dit qui lorsqu'il se lève, qui pourra changer. Est-ce que c'est lui qui peut comprendre ce matin? Quelqu'un peut comprendre que Jésus est mon avocat. Il défend ma cause. Jésus défendra ta cause, quels que soient les accusateurs qui tiennent les pierres pour te lancer. Jésus est ton avocat, il défendra ta cause. Alléluia. Vous pouvez juste m'aider à acclamer Maître Sylvia et Maître Christopher, qui aujourd'hui, Jésus est notre avocat. Jésus défendra notre cause. Lève la main droite avec moi, dis Jésus mon avocat. Amen.
quel que soit le nombre de tes péchés, quel que soit le nombre de tes calamités, quel que soit le nombre de tes captivités, psychologiques, émotionnelles, physiques, oh, dans mon corps, comme cette femme qui était courbée. La Bible dit qu'elle a fait 18 ans liée par des chaînes par le diable, mais Jésus est entré dans la synagogue. La Bible dit que Jésus l'a délivrée des chaînes qu'il a liées depuis des années. Jésus, mon avocat, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne veux plus rester dans la culpabilité, je ne veux plus rester devant les accusateurs, je ne veux plus rester dans ma conscience qui me condamne. Jésus, mon avocat, j'aimerais que tu te sentes libre aujourd'hui. Quelqu'un veut défendre ta cause. Ouh! Ex-prisonnier du monde, c'est fini. Jésus, mon avocat. Lisez avec moi le verset 4 de Jean 8 que nous avons lu. La Bible dit, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus avec leurs pierres, maître. Lisez avec moi les versets 4. Ouh! Les accusateurs savent qu'il est maître. Ouh! Alléluia. Les accusateurs viennent, ils disent maître. Ils voulaient, la Bible dit, éprouver Jésus. Maître. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, a ordonné de lapider. Moïse, dans la loi, a ordonné de tuer. Maître, j'aime la question qu'il pose à Jésus. Moïse demande quoi? Mais pose la question, maître, que dis-tu? Maître, que dis-tu? Bien-aimés, heureusement que vous êtes là ce matin. Les accusateurs sont là avec leurs pierres, mais ils posent la question à ton avocat. Maître, que dis-tu? On lapide comme Moïse? On fait quoi? J'ai regardé le film hier, comment ils avaient des pierres. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, nous tous, nous aurons ces pierres-là. Nous tous. Nous tous. J'aime la réponse de Jésus. Jésus prend la défense. Oh! Si j'avais la tauge, maître, j'allais mettre. Jésus prend la défense et Jésus dit que celui qui n'a pas péché, tu es dans la salle? Les accusateurs qui viennent, mamie, n'a vraiment cette sœur-là ne peut plus chanter. Tu as vu comment elle vit? Prends la pierre, jette. En tout cas, non, cet homme-là, il a quitté sa femme. Non, regarde comment il vit. Regarde comment il sent. Regarde comment il fait. Prends la pierre, jette. Jésus dit que celui de vous qui est sans péché, jette la pierre, prenez. Jetez. Le Seigneur sait que la conscience n'était pas que sur la femme qui était tombée dans l'adultère. La conscience est dans nous tous. Vous faites des péchés cachés que nous ne voyons pas. Jésus dit, prends la pierre, jette. Lorsque j'étais devant mes accusateurs, les gens qui parlaient de ma vie, qui disaient, elle n'a pas bien fait, elle aurait dû faire, elle n'a pas bien fait, elle aurait dû... J'ai envie de les regarder, de dire, prends la pierre, jette sur Mamina. Le Seigneur dit que celui qui est sans péché, ça veut dire sans péché. Il n'a pas dit péché d'adultère ou de mensonge ou de vol. Que celui qui est sans péché jette la pierre. Bien-aimé, si tu te retrouvais dans le camp du diable avec un esprit de condamnation, tu te voyais comme un saint. À partir d'aujourd'hui, change aussi. Tu ne peux pas jeter la pierre chez qui que ce soit. Toi aussi, tu ne peux pas prendre cette pierre. La Bible dit dans le verset 9, quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent. Un à un, depuis le plus âgé
jusqu'au dernier. Ils ne peuvent plus vous condamner. Ils ne peuvent plus vous condamner. Regardez comment vos accusateurs se retirent. Ils ne peuvent plus vous condamner. Quelqu'un peut juste acclamer le Seigneur. Jésus, mon avocat, il défend ma cause. La Bible dit, s'étant relevé, Jésus l'avocat, il demande à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui te liaient? Ils sont où ceux qui t'accusaient? Jésus veut libérer la conscience de quelqu'un ce matin. Où sont ceux qui t'accusaient? Chaque fois que tu veux prendre ta Bible, tu as entumé dans le sac parce que tu te dis, ils vont m'accuser parce que moi je suis un drogué. Tu étais un drogué. Bien-aimés, nous voulons sortir de ce lieu avec toute forme de prison, toute forme de captivité. J'étais en train de pleurer, je disais à moi-même, Seigneur, je veux être libre spirituellement, émotionnellement, physiquement, partout. Vivre la liberté de Christ. La Bible dit, lorsque Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Bien-aimé, c'est une forme d'orgueil de montrer que vous êtes sans péché. Prenez la pierre. C'est une forme d'orgueil de montrer que vous êtes plus spirituel que les autres. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de cette prison depuis des années. Ils se retirèrent. Personne ne peut te condamner. Où sont ceux qui t'oppressaient? Jésus, mon avocat. Quelqu'un peut lever sa main droite et dire, Jésus, mon avocat. Il connaît ton cas. Il connaît ton cas. Il a ton dossier. Il te défend. Si c'est un dossier juridique, Jésus te défendra avec les paroles qu'il faut. Si c'est un dossier médical, Jésus te défendra avec les médicaments qu'il faut. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Alors que je suis en train de parler, j'aime ce que Jésus a fait. Il dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Quelqu'un peut juste acclamer, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Quelqu'un peut se voir dans cette liberté. Jésus ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus te libère de ceci. Va et ne pêche plus. Quelqu'un peut se dire, je suis libre. Je suis libre. Va et ne pêche plus. Est-ce que vous pouvez juste acclamer le Seigneur? Seigneur, merci de me libérer de toute forme de prison. Bien-aimé, tu peux le dire au Seigneur. Va et ne pêche plus. Merci de m'avoir libéré de ces chaînes et de ces prisons. Jésus, mon avocat. Alléluia. Le Seigneur voulait savoir qui l'a condamné. Il a dit, personne, Seigneur. Libéré de toute forme de condamnation. Lisez avec moi Colossiens 2, 14. Alléluia. Alléluia. Comme un seul homme. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Bien aimé, j'aimerais que tu vois cette image. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Les chaînes de famille, des traditions, tous ceux qui disent tout le temps combat, 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 combat. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Il les a livrés publiquement en triomphant d'elles par la croix. L'acte qui me condamnait, Jésus l'a effacé. Ce qui subsistait contre moi, Jésus l'a effacé. Je voudrais que quelqu'un puisse se voir libre alors que je parle, alors que j'illustre. Vois Jésus en train d'effacer l'acte qui te condamnait et qui subsistait contre toi.
Tu n'es plus un homme lié. Tu n'es plus une femme liée. Tu es libre. Tout ce qui subsistait contre toi, Christ l'a effacé. Christ l'a cloué. Adore librement, loue librement, exprime-toi librement. Tu es un ex-prisonnier. Tu n'es plus prisonnier de la drogue, de l'alcool, de l'adultère. Tu n'es plus prisonnier de sexe, tu n'es plus prisonnier. Tu es un homme, une femme libre. Si c'est spirituel alors que je parle, si c'est une manifestation démoniaque, tu es libre. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé des condamnations familiales. Je veux que quelqu'un dise, je suis libre. Bien-aimé, je vous dis et je vous parle de moi. Lorsque j'étais dans ces prisons-là, je n'étais même pas belle, je n'étais plus belle. Je ne me voyais même plus belle. Parce que dans cette prison-là, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi-même. Au fait, il y a quelqu'un d'autre qui te domine, qui te montre que tu es bonne à rien, que tu ne peux rien faire. Mais lorsque je me suis sentie dans cette liberté, ô bien-aimé, je vis la vie chrétienne en rose. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque vous péchez, demandez pardon, le Seigneur vous pardonne. Et il oublie, il efface. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient hier, qui subsistait sur toi. Pourquoi tu veux vivre sous des condamnations chez nous, dans notre famille? Ça ne marche pas, c'est toujours comme ça. Sortez de cette condamnation. Tu es libre de toute forme d'oppression de la nuit. Tu es libre de toute forme de chaîne. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient, dans mes émotions, dans ma vie. Chakaro Bosque. De la libération, de la lapidation à la libération. Cette femme devait être lapidée. Mais auprès de Jésus, cette femme est libérée. Auprès des hommes bien-aimés, tu serais un homme lapidé, condamné. Mais auprès de Jésus, tu es un homme, une femme pardonnée. La condamnation qui était sur nous, Dieu l'a effacée. L'acte dont les ordonnances te condamnent et qui subsiste sur toi, qui emmène des huissiers jour et nuit, les finances qui sont vraiment médiocres, Jésus ton avocat, Jésus mon avocat. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que cette femme n'avait plus des mots. Cette femme ne savait plus quoi dire. Cette femme manquait à dire. Cette femme était coupable. Cette femme était coupable. Mais Jésus a pris la défense. Et les accusateurs sont partis. Vois plus ce film où Jésus fait partir tes accusateurs. Au lieu de voir le film que tu étais en flagrant délit. Souvent le diable nous emmène là à nous montrer le mal que nous avons fait avant de nous montrer le bien que le Seigneur a fait. J'aimerais te changer de la lapidation à la libération. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Regarde ce que le Seigneur a fait de toi. Bien-aimé, regarde ce que le Seigneur a fait de toi. Le Seigneur t'a justifié. Il t'a enlevé de la boue du péché. Il t'a ramené à son admirable lumière. Je ne suis plus condamné. Alléluia. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis un homme, une femme libre. Je ne veux plus que mon passé, mon péché, ma vie antérieure pèse sur moi. Pour finir avec ce passage, la Bible dit dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune, alléluia, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Ce matin, il a effacé l'acte qui te condamnait et qui subsistait sur toi. Il n'y a aucune
condamnation. Aucune condamnation. Jésus. Jésus. Libéré, oui, je suis libéré. Chandarobosque, Ababa. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant, je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libre. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Yes! Un homme, une femme libre, adore avec moi. Yes! Plus de condamnation. Bien-aimé, célèbre ta liberté. Lève nos mains vers le ciel. Libre de toute forme de chaîne. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Chante avec moi, Jésus-Christ a payé ma rançon. Yes. Je ne suis plus enchaîné. Je suis libre de toute forme de culpabilité. Chante les Bosco. Oh. Bien-aimé, alors que tu me suis, si tu as connu des abus ou des viols, sens-toi libre émotionnellement.
J'aimerais que les 5 minutes, que chacun de nous puisse prendre la position qui lui convient et se sentir libéré. Si nous pouvons tous nous tenir debout. Jésus, mon avocat. Jésus, mon avocat. Je ne serai plus esclave de la peur. Je viens par l'autorité du nom de Jésus libérer tout homme, toute femme liée par les chaînes du passé, liée par les chaînes de Satan, liée par les chaînes du monde. Liez, déclarez la liberté au nom de Jésus. Reçois ta paix. Jeanne Debo, récalébassa. Libre, 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 libre. Émotionnellement, spirituellement. Jésus, mon avocat,
Le Saint-Esprit me dit de te dire, vois-toi libre. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Entre dans ta destinée. Ton avocat a pris ta défense. Tu fonds la mer. Tu fonds la mer. Tu fonds la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton monde. Yes. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alors je chante avec moi. Je sais qui je suis. Yes. Je sais qui je suis. Nous pouvons apporter nos offrandes comme en ligne, comme ici, en célébrant notre libération, car nous savons qui nous sommes. En Christ. Yes. On y va tous ensemble. Nous sommes une chute.
sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore une fois, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. J'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je sais. Je sais ce que Dieu dit, je suis. Ce que j'ai en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Où je suis en Christ. Je sais. Je sais qui je sais. Je sais ce que Dieu dit, je suis. Ce que j'ai en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je marche dans la puissance. Qu'on peut acclamer plus fort que ça, comme des hommes et des femmes acquittés, libres devant le Seigneur. Tu peux ajouter même un cri de joie. Oh my God, oh my God. Oh Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Oh notre Dieu, merci Seigneur. Oh, nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Merci Mamina pour cette parole, merci beaucoup. Merci à tous les bien-aimés qui nous ont aidés à mieux comprendre ce message par l'illustration. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, 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 gloire au Seigneur. Nous rendons gloire. Oh, merci Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu donner les offrandes d'une autre manière et qui peuvent donner par, en envoyant un message de l'autre côté, donc vous pouvez le faire par virement, etc. Ceux qui sont en train là de donner leurs offrandes. Nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons pour ce moment et pour ce culte. Alors nous voulons accueillir les nouveaux venus, ceux qui sont venus pour la toute première fois. Vous n'avez jamais l'occasion de venir à la parole du salut. Peut-être que vous avez eu l'occasion de nous suivre en ligne, mais c'est pour vous la toute première fois de mettre vos pieds dans ce lieu. Nous voulons vous accueillir dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Nous voulons vous accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Je vois un frère derrière là-bas. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. Alors nos conseillers viennent vers vous, vous remettre... des dépliants, un dépliant que vous allez, n'est-ce pas, remplir et le rendre à la fin. Ça nous permet de garder contact avec vous et peut-être aussi à vous de mieux nous connaître. Gloire au Seigneur. Alors, le couple Chishimbi, Chris et Grady, rendent grâce à Dieu pour l'arrivée du bébé Zoé Léana depuis... jeudi 20 août, pardon, 2000. Qu'est-ce que j'ai un problème, Zé? Comprenez mon émotion. Donc, ils ont eu leur bébé depuis le 20 août 2020, ça veut dire le jeudi dernier. Et depuis, notre frère Chris est papa et notre sœur Chris est maman. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur. Donc, la maman et le bébé se portent bien et papa aussi se porte bien, comme vous pouvez le remarquer ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, pour ceux qui ont fêté leurs anniversaires pendant cette semaine, de mariage comme de naissance, si vous êtes là, veuillez vous tenir debout. Nous voulons rendre grâce au Seigneur avec vous.
si vous avez fêté votre anniversaire, soit de mariage ou de naissance. Merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. En tout cas, bon anniversaire de mariage, bon anniversaire à vous. Je crois que le Dieu qui a ajouté une année de plus n'a pas encore fini avec vous. Que Dieu soit loué. Alors, la prise de rendez-vous téléphonique ou présentiel aux numéros qui sont affichés. Oui, pour les rendez-vous bien-aimés, vous pouvez appeler à ce numéro qui est affiché pour permettre que vous preniez de rendez-vous. Et si même vous voulez annuler votre rendez-vous, merci de le faire aux horaires de service en appelant le même numéro de 10h à 17h du lundi à vendredi, soit aussi par email. Donc le contact est écrit sur l'écran. La librairie met à votre disposition plusieurs articles, dont les Bibles, des livres et CD pour l'édification de tous. N'hésitez pas de vous y rendre et de respecter les mesures barrières mises en place. Donc, vous pouvez aller à la librairie pour vous procurer peut-être un livre qui va vous détacher un peu plus de votre téléphone et vous permet de lire quelque chose qui peut vous édifier. Alors, nos réunions de la semaine, comme nous le savons, chaque mardi, nous avons études bibliques. Cette fois-là, ce n'est pas en présentiel, c'est en ligne, de 19h à 21h. Alors, ce mardi, déjà, nous aurons, n'est-ce pas, une étude biblique de 19h à 21h. Nous avons dit la dernière fois, et nous le disons, l'avantage, c'est qu'on peut poser aussi des questions et pour avoir des réponses. Et vendredi, de 19h à 21h, nous nous retrouvons ici, et cette fois-là, c'est en présentiel. Nous savons tous que vendredi, c'est notre journée de jeûne et prière. C'est le jour où nous prions. De 0h à 18h, nous sommes en jeûne. Et notre programme de prière au téléphone, c'est de 12h à 18h. Donc, quand vous avez un peu de temps de la journée, vous pouvez vous joindre au bien-aimé qui prie, n'est-ce pas, au numéro qui est affiché. Et de 19h à 21h, nous nous retrouvons ici pour venir clôturer et prier ensemble. Et dimanche comme celui-ci, nous avons, depuis un certain temps, vous allez le remarquer, nous avons deux cultes. Nous avons un premier culte qui commence de 9h30 à 11h30 et le deuxième commence de 12h30 à 14h30. Donc, à la fin du premier culte, merci de suivre les consignes et libérer rapidement la salle afin de permettre le début du second culte. Donc, entre les deux cultes, l'équipe de nettoyage, d'entretien doit, n'est-ce pas, désinfecter la salle pour permettre à d'autres personnes de pouvoir entrer. Et nous aurons notre séminaire temps de rafraîchissement. Je disais temps de rafraîchissement, autrement appelé TER, à partir de 17, n'est-ce pas, septembre jusqu'au 20 septembre. Nous serons... 18, nous serons en jeûne et prière. J'ai dit 17 parce que le jeudi 17 à 23h59, on arrête de manger. Et lorsqu'il est 0h, on commence, n'est-ce pas, un programme de jeûne et prière. Et nous avons dit, notre jeûne sera un jeûne sans manger, même pas de bouillie, même pas de... Donc sans manger, et nous boirons que de l'eau. Vendredi, samedi et dimanche à 18h, nous pourrons reprendre le cours normal et peut-être manger. Quelqu'un dit « Ah !» Même moi que je dis ici, je ne suis toujours pas maître en cela. Ce n'est pas évident, mais nous voulons sacrifier notre corps, humilier notre corps devant le Seigneur, afin de laisser notre esprit se présenter devant le trône du Seigneur. Donc, on sera là vendredi. Ça va commencer dès le matin avec une dévotion matinale de 5h à 6h. Ce sera en ligne ou au téléphone. Sur Zoom, excusez-moi, ce sera sur Zoom, on donnera le lien. Et puis, le même vendredi, de 12h à 18h, il y aura une chaîne de prière où nous allons vraiment vaquer dans la prière. Et de 19h à 21h, nous aurons notre culte du soir en ce lieu. Et nous viendrons en présentiel. N'oubliez pas de vous inscrire, s'il vous plaît. Et samedi, la même chose, nous aurons une réunion de 5h à 6h sur Zoom. Et puis, de 10h à 18h, nous aurons un temps de prière en ce lieu. Je disais de 10h. À 18h, on aura le temps de prière en ce lieu. Et dimanche, nous aurons notre premier culte de 9h30 à 11h30. Et nous aurons notre deuxième culte normalement de 12h30 à 14h30. Et puis nous aurons un culte terminal pour clôturer ce programme de 16h à 18h. Amen. Amen, amen. Je disais amen. Et je suis sûr que Dieu va nous faire du bien. Moi, je dis amen à ta place parce que c'est comme si tu ne crois pas. Dieu va nous faire vraiment du bien. Alors, le département de discipulat invite toutes les personnes qui souhaitent se faire baptiser
ou devenir membre de l'Église ou suivre les enseignements du discipulat, de s'inscrire à l'accueil info juste au fond de la salle ou de le faire par le biais du numéro de l'Église. Donc vous pouvez appeler le numéro de l'Église et vous inscrire. Notre opération BT, Bâtissons le Temple, continue. Les travaux, depuis un certain temps, ont repris. Ils sont en train de travailler. Ceux qui peuvent et veulent soutenir l'Église pour BT, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Donc, nous continuons à contribuer pour l'avancement de cette œuvre, en tout cas, afin de terminer ce qui a plutôt commencé. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes à la fin de notre culte, si nous pouvons nous tenir debout pour clôturer notre culte. Alléluia. Je ne sais pas comme moi si tu réalises que nous ne sommes pas seuls. Il y a des accusations qui peuvent venir de partout. Mais nous avons un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses élever ta voix, commencer à bénir cet avocat qui sans cesse te défend. Il te défend devant les hommes. Il te défend devant le diable. Il te défend des fois même devant ta conscience. Quand ta conscience ne veut pas accepter le pardon, lui il est là pour te défendre. Est-ce que tu peux lever ta voix, rendre grâce à Dieu, commencer à bénir à Dieu pour cela? Bénis ton avocat auprès du Père. Bénis Jésus-Christ qui est jour et nuit en train de te défendre. L'accusateur est là, mais l'avocat est là. Et la bonne nouvelle, c'est que l'avocat maîtrise la loi mieux que l'accusateur. La bonne nouvelle est savoir que l'avocat, c'est lui aussi le juge. La bonne nouvelle est de savoir que cet avocat est de ton côté. Élève ta voix, commence à rendre grâce à cela, à Dieu pour cela. Père, nous voulons te bénir. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement bon pour nous. Nous te rendons grâce et nous te glorifions. Nous t'exaltons et nous t'élevons. Béni soit ton nom à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Notre avocat auprès du Père, assis à droite du Père et intercédant pour nous. Nous te bénissons pour ta parole, ô Dieu de gloire, qui est venue, Seigneur de gloire, nous fortifier encore, nous libérer, Seigneur mon Dieu de gloire. Cette parole qui est venue faire tomber les chaînes. La Bible dit, Seigneur mon Dieu de gloire, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui leur envoya sa parole et sa parole leur guérit. Père, nous voulons te bénir. Bénir pour ce moment que tu nous as accordé dans ta présence. Nous voulons te bénir parce que tu nous as permis, ô Dieu, de venir te rencontrer, Seigneur mon Dieu de gloire. Nous voulons te bénir parce que pour nous, venir dans ta présence, ce n'est pas une habitude. Lorsque nous venons, Seigneur, c'est pour te rencontrer. Ce matin, nous pouvons dire, ô Dieu, tu nous as fait grâce, Seigneur mon Dieu de gloire. Tu nous as parlé, ô Dieu. Nos cœurs ont pu s'exprimer devant toi. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que ta grâce repose sur ton peuple. Je prie, ô Dieu de gloire, que ta main soit sur nous, ô Dieu, tel que l'apôtre Paul le dit, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec nous, ô Dieu, durant toute cette semaine, ô Dieu de gloire, que nous allons commencer. Que ta grâce, ton amour, ô Dieu de gloire, et la communion puissent nous distinguer dans nos maisons, ô Dieu de gloire, dans nos lieux de travail, Seigneur mon Dieu de gloire, dans nos activités, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ta grâce soit sur nous. Raccompagne-nous dans la paix et dans la joie, Père. Nous te l'avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur bien. Et nous suivons les directives, n'est-ce pas, pour pouvoir libérer la salle. Que Dieu nous bénisse. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir l'Église Parole du Salut, voici les étapes à suivre. Envoyez tout d'abord BT au 0033 6 29 19 88 83. Puis cliquez sur le lien reçu par SMS et pour terminer, remplissez en 15 secondes le formulaire. Dans la référence, merci de préciser la nature de votre don. Offrande, dîme, action de grâce, mission ou encore BT. Vous avez également comme possibilité de scanner le QR code avec votre smartphone. Pour les utilisateurs d'Android, le lecteur QR code est téléchargeable dans votre Play Store. Puis, vous pouvez également nous faire un virement bancaire au compte suivant. L'Église Parole du Salut vous remercie et que Dieu vous bénisse.